Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo de type vlog. Et oui, hier, il faisait beau, alors j'en ai profité pour prendre mon appareil, vous emmener avec moi à l'extérieur. Je vais vous montrer notamment, dans cette vidéo-là, je vais aller vous montrer mon ail, parce que au Québec, ça commence à fondre enfin, donc on commence à voir l'ail. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, où j'en suis rendue avec cette culture. Je vais vous parler des prochains semis qui sont à venir, donc les prochains qui vont aller à l'extérieur notamment. On va parler aussi, on va faire quelques rempotages. J'ai un petit peu de rempotage à faire, donc c'est ce que je vais faire. Pourquoi pas faire un petit suivi de mes travaux au sous-sol, là, finalement, notamment de ma pièce, de ma salle de lavage. Donc, je vais faire un petit tour pour vous montrer parce que ça l'a avancé. Et on va aller voir à l'extérieur mon potager. Ça commence à fondre. Où est-ce que j'en suis rendue dans mon potager et dans ma serre également. Alors, sans plus tarder, on y va. Donc, je vous montre mes plants d'ail. Ils sont beaux, mais on voit là, que certains endroits où ça semble ne pas avoir poussé. Soit que ça n'a pas poussé ou ça a été déterré, là, je devrais avoir un plant d'ail là, ça a été déterré par un nuisible quelconque, notre espace ici. Sinon, là, ça a bien sorti tout ça, comme vous pouvez voir. Sur les côtés, il va y avoir des carottes, donc je vais venir dépailler les côtés pour laisser le sol se réchauffer. Voir qu'est-ce que ça a l'air. Ah, mon ail. Ça a pourri. Mais en même temps, on dirait qu'il en manque. Je ne sais pas si ça s'est fait manger. On va le voir par là. Ah, ici, il y en a un. Ça sort de là. Il est pourri aussi. Ça a été probablement trop humide. Mais bon. Donc, les prochaines étapes, ça va être de venir enlever ici la paille. Je vais venir enlever la paille pour permettre au sol vraiment de se réchauffer parce que là, il est très humide. Hein? La neige, ça fait pas longtemps qu'il n'y a plus de neige là, sur cette parcelle-là. Donc, venez la sécher, laisser le soleil réchauffer. Donc, je vais garder la paille à part parce que je vais venir éventuellement la remettre au pied de mon neige. Je vais venir recouvrir mon sol avec la même paille à ce moment-là. Puis éventuellement, je vais venir mettre des arceaux par-dessus ma parcelle ici avec un voile anti-insecte également parce que le poireau peut être affecté par la teigne du poireau ou encore la mouche de l'oignon. Je mets ça sur mes carottes là, juste à côté parce que c'est l'association que je fais parce que l'odeur de la carotte viendrait éloigner la teigne du poireau et la mouche de l'oignon. Et à l'inverse, en fait, l'odeur des aliacées des oignons viendrait éloigner la mouche de la carotte. Donc, c'est une bonne association. C'est pas prouvé scientifiquement. Par contre, moi, je l'applique. Je trouve que ça fonctionne bien. Mais je vais quand même venir mettre des arceaux à la surface de ma parcelle et avec un voile anti-insecte pour venir protéger autant mes carottes que mon ail. L'ail, comme je disais, va être souvent attaqué par la teigne du poireau. La teigne du poireau, c'est un papillon noctuel, un papillon de nuit, qui va commencer à émerger quand les nuits vont être au-dessus de 10 à 12 degrés. Pour le moment, on est encore correct. Juste cette nuit, par exemple, il annonce 3 degrés. Donc, on est loin du 10-12 degrés là, pendant la nuit. Mais quand ça va être le cas, je vais venir à ce moment-là mettre mes arceaux et mon voile. Donc, la teigne, oui, elle va apparaître quand il va faire 10-12 degrés minimum la nuit. Elle va surtout voler la nuit, donc va beaucoup agir la nuit. Puis après ça, bien, elle va se mettre à pondre là, des centaines d'œufs. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Alors, je vais venir le protéger. Et pour la carotte, la mouche de la carotte, elle, dans son cas, elle va commencer à pondre habituellement vers la fin mai et pendant tout le mois de juin également. Donc, mai-juin pour la mouche de la carotte. Alors, c'est sûr que maximum mi-mai, moi, je vais avoir mon voile à la surface. Je vais le laisser là. En juillet, bien sûr, on peut venir l'enlever. Là, c'est terminé pour les pontes. Sauf que les pontes pour la carotte, pour la teigne également. La teigne va venir pondre à trois moments différents habituellement, jusqu'à trois générations. Ça va apparaître plus à ce moment-là, mi-mai, fin mai, que ça va recommencer à pondre. Donc, en juillet, habituellement, je suis correct. Puis après ça, rendu au mois d'août, je suis correct aussi parce qu'en juillet, je vais venir enlever mon ail. Donc, il n'y aura plus de problème là, pour la teigne à ce moment-là. Alors, c'est comme ça, moi, que je viens protéger mes plants. Donc, c'est ce que je vais faire. Là. Je m'occupe d'enlever la paille, laisser tout ça réchauffer.
Maintenant, je vous montre mon potager, qu'est-ce qu'il a l'air. On voit qu'il y a quand même trois parcelles, là. Ça a fondu. La quatrième commence à fondre. On voit la cinquième est toujours sous la neige parce qu'il y a plus d'ombre, hein, à cause des arbres ici. Mais je commence à avoir de l'espoir, là. Je commence à bien voir. Ma planche ici, ma butte lasagne, elle est complètement déneigée. Donc, ça s'en vient. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre encore un peu. Je vais attendre au moins que mes cinq planches soient dégagées. À ce moment-là, je vais venir dépailler pour laisser les planches se réchauffer. Donc, mais je vais commencer par, bien sûr, les planches que je vais pouvoir semer en premier. Il y a les oignons qui vont aller sur le bord avec des carottes. Donc, ça, absolument début mai, je viens déjà les mettre au potager. Alors, celle-là, je vais la dégarnir. Par contre, les dernières ici, ça va être concombre et tomate à côté. Puis ici, les poivrons. Ça va arriver seulement en juin, donc je vais attendre un petit peu là, avant de venir dépailler parce que j'ai pas besoin de plus qu'une semaine ou deux là, pour venir réchauffer à ce moment-là mon sol. Alors, on va aller voir un petit peu plus proche qu'est-ce que ça a l'air. Donc, on arrive ici à ma première planche où je vais avoir mes oignons. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air en dessous. Voilà. Et on voit que c'est dégelé. Ah non, pas complètement. C'est dégelé en surface, mais ici, je ne sais pas si vous entendez, ça ici, c'est de la glace. Donc, c'est encore glacé. Alors, c'est sûr qu'il va falloir que je vienne faire dégeler ça là, avant de venir mettre mes oignons. C'est pourquoi je vais dépailler pour laisser sécher. Donc, d'ici une semaine, je pense venir faire ça ici, là, à ce moment-là. Là, on est à la mi-avril. Si je veux planter dedans début mai, donc... Ouais, je pense qu'une semaine, c'est bon. Je vais pouvoir, en fin de semaine prochaine, venir faire ça. Et ça va être la même chose là, pour les autres parcelles. Au niveau du sol, c'est sûr que c'est encore gelé là, là-dedans. Allons voir la butte lasagne. Donc, la butte lasagne. On va aller voir si c'est aussi gelé ou moins gelé ici. Ah, on a les feuilles ici. Ah, déjà, on voit... Je ne sais pas si je l'ai perdu. Non, il est ici. Un ver de terre. Parfait, je vais le laisser tranquille. Donc, il y a beaucoup de feuilles. J'ai sûrement terminé avec une couche de feuilles ici avant de mettre du foin. Hein? On voit que c'est profondément de la feuille. Et c'est gelé aussi. On voit que le sol est plus dur. Donc, on va attendre. De toute façon... Ça, je ne vais pas le dépailler nécessairement à l'avance. Ça fait partie de mon substrat de ma butte lasagne. Maintenant, j'arrive à ma serre. Je ne vais pas tout vous montrer dans la serre parce que je suis en train de préparer une vidéo là, sur les tâches que j'ai faites dans la serre. Vous allez voir dans une de ces tâches-là ici, j'ai creusé ici ma nouvelle parcelle. Donc, je vais devoir venir la remplir. Mais quand j'ai appelé à la pépinière pour me faire livrer, pour aller chercher un voyage de terre, il me disait que la terre est encore gelée. Donc, la semaine prochaine, probablement, je vais pouvoir venir acheter ma terre végétale, ma terre à jardin pour venir mettre ici. Mais pour le moment, regardez ce que je viens de trouver. Un petit verre comme ça, je ne vais pas le laisser là. Quand je vais venir planter, si je laisse ça là, il va manger. Il va venir manger mes plants. Donc, je vais le laisser dehors. Donc, je vous montre ici le ver qu'on a trouvé dans ma serre, qui est une larve de Anton. Ça peut vivre jusqu'à 3 ans dans la terre avant de devenir un adulte. C'est dans la famille des scarabées, les Anton. Une fois adultes, nous, on les reconnaît beaucoup au Québec, on va appeler ça des barbeaux. Donc, c'est ça ici, la petite larve. Et puis, ce sont des larves qui sont très ravageurs là, dans le potager, en fait, parce qu'ils vont se nourrir des tiges, des plantes, des jeunes plants notamment. Par exemple, ils vont aimer les légumes racines, mais aussi les bases de salade, par exemple, ou des fraisiers. Donc, c'est sûr que ça peut créer des dommages. Moi, je sais qu'une année, là, j'avais un basilic qui devenait jaune. Et puis, j'ai décidé de creuser pour voir. Puis, j'ai trouvé cette petite larve comme ça. Et puis, c'est en train de tuer mon plant de basilic. Donc, quand on en voit, idéalement, on les enlève. Ça ressemble aussi à des larves de cétone. Eux qui sont des larves de compost qui sont bénéfiques au potager. Mais quand elles sont un petit peu plus jaunes comme ça ici, avec des têtes un petit peu plus grosses, orangées comme ça,
À ce moment-là, c'est des hannetons et non des setons. Puis à ce moment-là, bien, on les enlève du potager. Donc, maintenant qu'on est débarrassé de cette larve, je vous montre, j'ai commencé, c'est des plants test. En fait, ça, c'est les pommiers. On a aussi le prunier ici. J'ai sorti un oignon, deux oignons, une fleur ici. Donc, ça fait déjà 3-4 jours qu'ils sont dans la serre. Ils sont encore très, très belles. Les plants sont très beaux. Donc, ça a l'air d'être suffisamment chaud la nuit pour eux, là. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sortir... Bon, ça y est. Petite bébête. Je vais venir sortir d'autres plants dans la serre parce que je commence à être pleine dans la maison. J'ai plus de place pour mes semis. Ce que je pensais faire, c'est de venir les mettre ici, à l'intérieur de le temps là, que je viens de remplir de terre, les mettre dans le fond, puis venir mettre un voile par-dessus. Donc, ça va bien les protéger. Puis, en même temps, ils ne sont pas encore acclimatés. Donc, il ne faut pas que ce soit plein soleil, mais pour le moment, j'ai encore ma toile verte au-dessus, d'ailleurs, que je vais devoir venir enlever. Mais pour le moment, ça fait de l'ombre. Donc, ça va venir protéger du soleil, là, ces plants-là. Puis avec un voile par-dessus, oui, ça laisse passer des rayons, mais quand même, ça tamise un petit peu la lumière. Alors, je pense que c'est ce que je vais venir faire pour me sauver de l'espace à l'intérieur. Alors, voilà quelques plants que j'ai sortis. J'ai sorti des poireaux, des restants d'oignons parce que... Il y avait des oignons que je suis venue mettre individuellement dans des contenants comme ça parce qu'il y en avait qui étaient dans un terreau assez de mauvaise qualité. Donc, j'ai pas pris de chance. Je les ai repiqués individuellement comme ça, individuellement en deux et trois, là, dépendamment. Donc, j'ai des fleurs, j'ai des pensées, j'ai des rudbeckies. J'ai sorti un peu de persil, un peu de thym. Bien sûr, j'en ai d'autres à l'intérieur au cas que ça fonctionne pas avec ceux-là. J'en ai de rechange. Ça, c'est mes plants de capucine là, que j'ai semé beaucoup trop tôt. Donc, je les mets ici à l'extérieur, j'ai rien à perdre. Alors, voilà. Et je vais mettre un petit voile à la surface pour m'assurer, parce que cette nuit, il va faire seulement 3 degrés, m'assurer qu'il y ait un petit peu plus de chaleur à l'intérieur et que mes plants survivent. Parce qu'en plus, je n'ai pas d'autres poireaux que ceux-là. Donc, voilà, j'ai mis mon voile à la surface, qui est une couverture flottante. Je l'ai doublé, en fait, parce que, bon, mon voile était trop grand, alors je l'ai doublé. Puis, en même temps, ça va être plus chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir voir demain qu'est-ce que ça a l'air, s'ils ont bien passé là, le 3 degrés de cette nuit. Si ça fonctionne bien, il est fort possible là, que ça reste ici jusqu'à la plantation, comme il s'agit. Là, j'ai quand même sélectionné des légumes qui supportent mieux le froid. Et là, je manque vraiment de place à l'intérieur. Surtout que j'ai fait beaucoup de semis de tomates, là, une cinquantaine de plants de tomates, des Tiny Tim pour l'école de mes filles, là, pour donner à leurs amis. Alors, je vais devoir tout repiquer ça et mettre ça sous les lampes de culture. Alors, il faut vraiment que je trouve une solution. Donc, la serre reste pour moi là, un avantage, une solution. Alors là, je le teste. Prochainement, je vais venir enlever là, ma toile verte à la surface. Donc, il va faire encore plus chaud dans la serre à ce moment-là. Donc, je vais conserver la chaleur du jour en fermant les portes. Et puis, le soir, déjà, bon, il va commencer à faire plus froid, mais ça va être quand même un peu plus chaud qu'à l'extérieur. Puis, avec un voile par-dessus, on va venir sauver peut-être un 2-3 degrés. Là, c'est ce que je vais vérifier dans les prochains jours. Je reviens du travail. Je m'en viens voir qu'est-ce que ça a l'air dans la serre. Là, ces beaux plants-là que j'ai laissés. Alors, je vous montre ça. C'est chaud et humide ici, en tout cas. Donc, on va regarder. Bon, j'enlève le voile, puis je vous montre. Donc, voilà. Ça a l'air bien parfait. On voit là, les oignons, les fleurs, les épinards, le thym, le persil, les grosses capucines, poireaux, oignons qui restaient. Donc, ça a bien supporté le 3 degrés de la nuit dernière. C'est parfait. Je vais les laisser découvert parce que c'est très chaud et humide ici. Puis, je vais les fermer un petit peu plus tard dans la journée. Donc, voici ma pièce, salle de lavage, salle de bain. Parce qu'on en est rendu, je pense, la dernière fois, je me souviens bien, on avait déjà mis le carrelage. Donc, on a rentré la laveuse sécheuse, on a installé les armoires. Un peu de carrelage à l'arrière aussi.
La toilette est installée. La douche, il y a juste à faire ça ici. On voit aussi le carrelage au-dessus. Donc, il va nous rester à sabler et à peindre, finalement, à décorer par la suite. Alors, ça sent bien bien. La vanité est déjà installée également. L'eau est fonctionnelle. Donc, bien contente. Ici, on va dans la pièce juste à côté. On a une fenêtre! Et oui, on a réussi à percer le solage, à installer la fenêtre. Donc, il va rester juste à défaire ce mur-là ici. Et puis, après ça, mettre tout ça droit et ouvrir là pour faire un garde-robe juste derrière. En ce moment, c'est un passage du garage. Et là, ça va devenir le garde-robe pour la chambre de ma fille. Donc, voilà! Donc, comme vous avez pu voir, il y a encore plein de choses à faire, mais ça avance. Vous avez vu, la neige commence à fondre. Enfin, au Québec, on commence à avoir notre terrain. On commence à avoir notre potager, comme vous avez pu voir. Donc, moi, je vous ai montré hein, mon ail. Puis, comme vous avez pu voir, il y a des gousses d'ail qui avaient commencé à pourrir. Donc, il n'y avait pas tout simplement pas germé, il était pourri. Alors, je suis venue quand même dépailler là, autour de mes gousses d'ail, finalement, pour les laisser grandir, pour empêcher qu'il y ait trop d'humidité au pied puis que ça vienne faire pourrir ces germes-là qui ont commencé à germer finalement. Puis en même temps, venez dépailler, ça va permettre de réchauffer le sol et je vais pouvoir venir y semer mes carottes au début mai. Bien sûr, je vous en ai dans la serre, mais je vous ai pas tout montré parce que je vous prépare une vidéo sur les travaux que j'ai fait dans la serre dernièrement. Là, ça s'en vient à ne pas manquer. Mais quand même, vous avez vu que je manque d'espace sur mes étagères ici, donc pour mettre mes plants au soleil sous mes lampes de culture. Alors, j'ai quand même trouvé une solution en utilisant la serre. Venez mettre mes semis, comme vous avez pu voir, là, directement dans un trou dans la serre et couvrir avec un voile. Ils ont résisté à 3 degrés. Donc, je pense 3 degrés, c'est le plus bas qu'ils annoncent là, dans la prochaine semaine. Je vais surveiller un petit peu la température, mais jusqu'à présent, ça va bien. Notamment pour les cultures qui tolèrent bien le froid, comme c'est le cas pour les poireaux, comme c'est le cas pour les oignons, les légumes feuilles, par exemple. Les fleurs, ça semble aller très bien également. Donc, c'est peut-être une solution que je vais avoir parce que là, honnêtement, je me limite quand je fais du rempotage. Je vous donne l'exemple. J'ai rempoté des laitues et puis seulement la moitié de mon plateau parce que j'avais plus de place pour mettre mes godets à la lumière. Alors, il a fallu que je laisse quand même la moitié encore dans le plateau. Je ne sais même pas si je vais pouvoir les repiquer. Alors, voilà, j'en ai fait la moitié dans des petits aussi contenants pour éviter d'avoir des trop gros. Là, je vous montre... des contenants comme ça, par exemple. Je suis venue aussi repiquer de la menthe. J'ai repiqué également du thym. J'avais fait du thym commun. Là, je l'avais fait avec vous, le rempotage. Mais j'avais du thym d'hiver également. Donc, à ce moment-là, je suis venue le rempoter plus individuellement. Encore là, dans des petits contenants, vu que je manque d'espace. Donc, j'en ai fait le rempotage. Et puis, finalement, je suis venue transplanter mes boutures de patates douces. Parce que là, je vous montre ma patate douce dans l'eau. C'est rendu un pas pire bouquet, comme vous pouvez voir, un petit arbuste quasiment. Donc, de plus en plus, là, je viens couper les tiges et je viens les mettre dans des verres d'eau à ce moment-là pour faire faire des racines. Donc, une fois que vous voyez les racines blanches qui sont là, qui sont allongées, qui ont des bonnes racines, à ce moment-là, je viens les repiquer dans un terreau humide. Donc, je vais mettre tout simplement ma bouture à l'intérieur. C'est ça qui va créer mon plant que je vais pouvoir par la suite transplanter à l'extérieur début juin. Début juin parce que la patate douce va avoir besoin de beaucoup de chaleur. Je vais mettre la patate douce cette année dans ma butte lasagne parce qu'il y a un bon substrat à l'intérieur, un substrat qui est riche à l'intérieur et la patate douce a besoin de ça. En fait, c'est une culture qui est gourmande. Et en plus, ma butte lasagne, elle est ensoleillée pas mal toute la journée. Elle est plus loin de ma forêt. Donc, ça permet d'avoir un bon niveau de chaleur, un bon niveau de soleil également. Donc, c'est parfait encore là pour la patate douce. Finalement, comme vous avez pu voir, ça avance les travaux dans ma salle de bain en bas. Alors, j'ai bien hâte que tout ça se termine parce qu'une fois que ça va être terminé, je vais enfin pouvoir aller faire mes travaux à l'extérieur, notamment de construire ma tonnelle dont je vous ai déjà parlé et le carré potager de ma fille. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte. C'est un projet qui me tient à cœur. Mais là, il n'y a plus de neige. Là, c'est parfait. Mais on a encore beaucoup de travaux à faire là, avant de pouvoir se rendre là. Mais vous voyez, les travaux avancent très bien. Il va nous rester la chambre à faire où on a mis la fenêtre, qui va être la chambre d'une de mes filles. Et il va falloir, bien sûr, terminer, peinturer, décorer, le rendre à son goût, finalement. Donc, c'est dans nos projets. Mais j'ai bien hâte là, de pouvoir commencer à travailler à l'extérieur. Alors, voilà pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.